Bonsoir à tous ou bonjour si vous voyez cette vidéo en enregistrement. J'avais envie de faire ce live de façon totalement impromptue pour parler de quelque chose que je trouve absolument magique avec la création, avec les choix et avec l'irrationalité de ce qui peut se passer dans la vie. Donc je vous explique un petit peu le contexte. J'avais créé ces derniers temps une série de calls sur une semaine pour parler de la compétition et d'aller au-delà de la compétition. Et il y avait vraiment de l'énergie là-dessus, c'était super léger de créer ça. Et puis, une fois que je l'ai eu créé, plus grand-chose. Pas particulièrement envie d'en parler, pas particulièrement envie de promouvoir ou. Vraiment, il y avait un truc de non, rien de spécial avec ça. Je veux dire, c'est intéressant. Et puis tout à coup, Elodie m'envoie un message en me disant, non, j'en parle avec Jennifer S, avec qui on va parler du coup toutes les deux aussi de ce sujet qui est la compétition. Donc j'en parle avec Jennifer S et bonjour Brigitte. Et je lui dis, oh, c'est marrant, j'avais ce truc-là sur la compétition et je sais pas si ça demande à changer, si qu'est-ce qui se passe. Et puis ça nous a amené sur une idée de quelque chose dont on va vous parler bientôt. Et j'étais là, ouais, peut-être que ça demande à changer de forme. Il y a comme l'énergie de plusieurs facilitateurs, ce qui semblerait logique finalement pour parler de la compétition et d'aller au-delà de la compétition. Et qu'est-ce que c'est au-delà de la compétition? C'est vraiment la contribution. Et l'idée de se surcréer chaque jour, de s'outrecréer soi-même. Et de fil en aiguille, j'en ai quand même parlé dans un atelier que j'ai fait. Et Elodie Petitjean m'envoie un message en me disant, tu peux m'envoyer le lien, je souhaite m'inscrire. Et ça commençait le lendemain et je lui dis, mais en fait, il n'y a personne qui est inscrit et je crois que ça va pas se faire. Et elle m'envoie un message en me disant, c'est super dommage, j'avais vraiment envie d'avoir une conversation à propos de ça. Et donc j'en viens à l'énergie de créer cet atelier a amené à totalement autre chose que ce que j'avais imaginé que ça allait créer. Donc il y avait de l'énergie là-dessus. C'était super léger. Et finalement, de fil en aiguille, ça nous a amené à complètement autre chose qui est tellement plus grand et tellement plus expansif. Donc combien de fois, en fait, on crée quelque chose avec une idée fixe, avec des points de vue fixes de à quoi ça doit ressembler, de comment ça doit se présenter, de qu'est-ce que ça doit être, comment on doit le créer, sous quelle forme est-ce que ça doit apparaître. Et on a toutes ces idées fixes, tous ces points de vue fixes, et on a décidé que c'était comme ça et que ça allait se passer comme ça. Et puis d'un coup, il n'y a plus d'énergie, ou l'énergie, elle change. Et nous, on reste avec nos points de vue fixes sur la création. Et quand on est comme ça, en fait, sur les points de vue fixes, on ne peut pas voir tout ce qu'il y a comme possibilité autour. Donc la prochaine fois que quelque chose ne fonctionne pas comme vous auriez voulu que ça fonctionne, la prochaine fois que vous créez quelque chose et que ça ne se présente pas ou que ça ne marche pas, est-ce que vous pouvez vraiment être dans la question? Et regardez, ok, l'énergie sur ça. Donc où est passée l'énergie? Elle est passée où l'énergie de ça? Où est passée l'énergie? Et combien de points de vue fixes est-ce que j'ai ici qui m'empêchent en fait de voir à quoi cette création a envie de ressembler? Parce qu'une création, c'est aussi une entité. Elle a sa propre forme de vie et donc elle a ses propres points de vue, ses propres désirs et elle souhaite ressembler à quelque chose de spécifique. Donc on peut vraiment entrer en communication avec la création et lui demander, toi, à quoi est-ce que tu veux ressembler? Montre-moi. Et mets tout en place pour que ce soit facile et aisé de te créer. Et en fait, quand on demande à la création, montre-moi en fait à quoi tu veux ressembler, comment est-ce que tu veux être présenté, sous quel format est-ce que tu veux être fait, à quel prix est-ce que tu veux être fait si c'est un service qu'on propose qui est payant, on peut vraiment demander à la création à quel prix est-ce que tu as envie d'être présenté au monde. Et la création, elle va contribuer pour nous. C'est vraiment une forme de vie avec une énergie propre qui est prête à contribuer pour nous, à travailler main dans la main avec nous. Et donc, c'est plus à nous de tout faire, 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 faire.
C'est vraiment nous, avec la création qui est en cours, qui ensemble créons quelque chose. Et si on n'avait plus à être en compétition avec nous-mêmes, en fait? Si on pouvait recevoir la contribution de chaque chose que nous créons nous-mêmes, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Et du coup, eh ben, il va y avoir une super création qui va arriver, plein de conversations de à peu près 30 minutes avec plein de facilitateurs différents pour parler avec vous de compétition ou contribution, aller au-delà de la compétition. Et on va commencer jeudi soir à 22h avec Élodie Petitjean. On aura une conversation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un outil du livre Les 10 clés vers la liberté totale dans le chapitre Aucune compétition. Et avec chaque personne avec qui j'aurai ces conversations, on va prendre un outil ou une question et discuter ensemble avec vous de cet outil-là, de cette question-là, de comment est-ce que nous on peut l'appliquer en fait dans notre vie, de nos expériences à nous. Donc, j'ai déjà demandé à plusieurs facilitateurs qui ont répondu présent. Donc ça va s'étaler sur la durée. Je reviens vers vous pour la forme, si ce sera sur Zoom, si ce sera sur des Facebook Live, je ne sais pas encore exactement. C'est en cours de création, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que en fait c'est tellement irrationnel la façon dont ça s'est créé. Et ça ne ressemble absolument pas à ce que j'avais imaginé au début. Et j'ai vraiment choisi plus grand et d'être une plus grande contribution encore, c'est vraiment une des demandes que j'ai chaque jour. Comment est-ce que je peux être une encore plus grande contribution? Où est-ce que je pourrais être une contribution ici et aujourd'hui? Et ça m'a amené finalement à cette grande aventure qui va m'amener à avoir des super conversations avec plein de super personnes autour de la compétition, de la contribution, de se surcréer, de choisir plus grand. Et qu'est-ce que ça va créer pour nous tous? Monde où il n'y aurait aucune barrière, aucune séparation, aucune compétition, où on serait tous prêts à être une contribution pour les autres et à recevoir la contribution des autres, à recevoir la contribution que nous sommes. Parce que souvent, c'est aussi notre contribution à nous qu'on n'est pas prêt à recevoir et c'est pour ça qu'on rentre dans la comparaison et dans la compétition. Donc, quelle énergie, quel espace, quelle conscience et quel choix nos corps et nous pouvons être pour recevoir la contribution que nous sommes déjà, avec aisance, joie et gloire totale. Et tout ce qui permet pas ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire? Right, wrong, the bad, purple, and in shorts, boys and beyonds. Donc, restez connectés, on va revenir vers vous. Il y aura même des conversations en anglais. Elodie m'a conseillé de proposer aussi à Rachel O'Brien, que j'aime énormément comme facilitatrice. Donc, on va aussi avoir une conversation avec elle et avec plein, plein d'autres personnes. Et j'adore vraiment avoir des conversations avec plusieurs personnes parce qu'on peut dire la même chose mais avec des mots différents et ça fait percuter complètement différemment. Donc, quel cadeau est-ce que ça va être pour nous tous? J'espère que vous nous rejoindrez nombreux. Et je reviens vers vous très rapidement pour vous informer sous quel format est-ce que ce sera, si c'est sur Zoom, si c'est sur Facebook Live directement ou si c'est sur YouTube directement. En tout cas, ça va être grandiose. Et aussi, je voulais vous rappeler que demain soir, j'ai un atelier offert. Il est à 21h15 et c'est sur les outils. Est-ce que tu les utilises comme des outils de contribution, de possibilités ou comme des armes? Donc on va aller discuter de ça pendant un petit moment tous ensemble sur Zoom. C'est gratuit, vous pouvez me rejoindre, vous avez juste à vous inscrire pour avoir le lien Zoom en fait. Et à partir de vendredi, on commence aussi 30 jours offerts aussi, 30 jours pour... Alors c'est nouvelle année, nouveau choix. Donc ce sera 30 jours sur le choix. C'est totalement offert, c'est dans un groupe. Vous avez juste à vous inscrire aussi et à rejoindre le groupe. Et oui, la chienne veut être une contribution. Très souvent en ce moment d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc on commence vendredi pour 30 jours. On va parler du choix. Et en fait, je suis tombée sur... Je lis beaucoup le manuel de référence en ce moment. Et je suis tombée sur un passage de Gary dans un manuel de référence qui parle des choix de prédilection. Donc, quels sont vos choix préférés? Est-ce que votre choix préféré, c'est de tout faire tout seul? Pock and pod. Est-ce que votre choix préféré, c'est de
pardon, c'est de ne pas avoir de libre arbitre, de ne pas choisir votre libre arbitre, Pokémon. Et il y a toute une liste comme ça de choses qui nous invitent à déblayer, à aller regarder comme choix de préférence qu'on a. Donc je me suis dit, enfin vraiment, quand j'ai lu ça, ça a fait un boum pour moi dans mon univers. Et je me suis dit, waouh, ça, j'ai envie d'aller explorer ça et j'ai pas envie de le faire toute seule, j'ai vraiment envie d'être avec tout un groupe pour faire ça. Donc on commence vendredi, il y a juste à s'inscrire et à rejoindre le groupe. Je vais vous remettre tous les liens, hein, tout de suite après. Comme ça, vous pouvez nous rejoindre pour tout ce que je viens d'énumérer. Donc demain soir, les outils, armes ou contributions. Jeudi soir, une conversation sur la compétition avec Elodie. On vous redit sous quel format. Et à partir de vendredi, 30 jours, nouvelle année, nouveau choix. Voilà, un projet, enfin un programme super excitant, super enthousiasmant. Je suis ravie. On va plus quitter pendant quelques temps. Et comment ça devient encore mieux que ça? Comment est-ce que ça devient encore plus grand que ça? Et vraiment, du coup, aussi pour finir avec tout ça, c'est est-ce que vous pouvez arrêter de vous juger même quand vous avez l'impression que quelque chose ne marche pas? Est-ce que vous pouvez même là être dans la question de est-ce que ça marche pas ou est-ce que c'est différent de ce que j'aurais imaginé? J'aurais pu rentrer dans la conclusion, que ok, ça marche pas, le programme que j'ai lancé il marche pas, ça plaît à personne, ça parle à personne, la compétition ils s'en foutent. Alors que pas du tout. C'était simplement que la création, elle était là. Non, mais en fait, personne s'inscrit parce que c'est pas ça qui veut être créé. C'est pas comme ça que je veux être créé. Et voilà. Et tout, quand on reste ouvert et quand on reste dans la question et qu'on sort du jugement de soi-même, je vous rappelle vraiment le jugement. S'il vous plaît, mettez-le à la poubelle. Dès que vous le voyez arriver, vous le sentez arriver, vous le prenez, vous le foutez à la poubelle. On ne veut plus de jugement. Stop. Stop le jugement. Et question. Et encore des questions. Donc, quelle question est-ce que vous pouvez être aujourd'hui qui ouvrirait un univers infini de possibilités au-delà de cette réalité? Je me réjouis de vivre toutes ces aventures avec vous et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite et je vous mets toutes les infos tout de suite après. Bye tout le monde!